Un étonnant, l'éclair matin, ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand on te considère, ton univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que la grâce de Dieu se multiplie dans vos maisons. Excellent enfant de Dieu, nous allons passer des excellents moments en présence de Dieu ce soir. Nous allons clôturer avec cette partie où Jabez a dit à Dieu, il est dit dans nos Bibles, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Alors nous allons clôturer avec cette partie de la bénédiction aujourd'hui. Donc frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de rater cette partie de la conclusion de la bénédiction et la semaine prochaine. Nous commençons avec là où la partie où Jabez a dit, si tu étends mes limites, si tu étends mes limites, alléluia. Il y a encore de bonnes choses qui vont arriver, de bonnes choses vont arriver. Gloire au Seigneur. Alors frères et sœurs, j'ai besoin de votre aide. Nous avons besoin que quelqu'un puisse entendre ces paroles. Nous avons besoin que la bénédiction de Dieu tombe dans la vie de quelqu'un. Alors partagez, partagez au maximum. Je vous donne 5 minutes. Nous avons 5 minutes pour pouvoir partager. Frères et sœurs, partagez, partagez. Ne restez pas égoïste, ne soyez pas égoïste. C'est gratuit le partage. Donc partagez les bien-aimés qui sont connectés sur YouTube, ceux qui sont connectés sur Facebook. Partagez, partagez au maximum, au maximum. C'est notre dernière live de la semaine. Alors partagez, partagez, partagez sans modération. Yes. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Vous avez besoin de la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu va tomber ce soir. J'ai dit la bénédiction de Dieu va tomber ce soir. La bénédiction sans limite. Elle va tomber dans ta vie ce soir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh yes, Lord. Yes, Lord. Il est devenu mon frère. Yes. Je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur rédit la nuit, les jours. Que tu es bon, que tu es bon. Ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur rédit la nuit, les jours. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Excellent enfant de Dieu, nous voulons vivre la bénédiction de Dieu. J'ai besoin de la bénédiction de Dieu dans ma vie. Vous avez besoin de la bénédiction de Dieu dans votre vie. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et cette bénédiction-là, elle va tomber ce soir. La bénédiction de Dieu va tomber ce soir dans la vie d'une personne. Alors, frères et sœurs, nous avons 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes pour pouvoir partager, 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 partager la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Combien tu es grand, nous verrons.
Yes, Lord, yes, Lord. Combien? Yes, Lord, yes, Lord. Shanda rabande, rambayata rabande, ronda rabashara rabande, lebo shara rabande. Gloire à toi, Seigneur. Combien tu es grand. Combien tu es bon. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Combien tu es grand. Combien tu es grand. Combien tu es grand. Encore une fois, combien tu es. Yes. Combien tu es grand. J'entre les cons. Dans exactement 4 minutes, nous allons commencer la dernière session de la semaine. Nous sommes à notre 18e jour de jeûne et de prière. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit loué. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Quelqu'un a besoin de la bénédiction de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu yes. Dans 3 minutes, on va commencer. Dans 3 minutes. Yes, Lord. Tout l'amour que j'ai pour toi. Shalom, 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 shalom. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Gloire au Seigneur, que le nom de l'Éternel soit loué. Excellent enfant de Dieu, très chers internautes, mesdames et messieurs, bienvenue à votre temps appelé autour du feu de l'Évangile. Alléluia. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons, que la joie du Saint-Esprit soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu de gloire, nous montons devant de ton trône de grâce. Ensemble avec tous nos bien-aimés, partout ils peuvent se retrouver, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, ta main n'est pas courte pour pouvoir agir. Merci pour ta présence au milieu de nous. Ouais, ma bouche d'une onction particulière. Seigneur, nous voulons être un instrument de bénédiction, un canal par lequel tu vas bénir. Un canal par lequel tu vas faire entrer quelqu'un dans sa destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Moi, Mouiwetu, Maman Brigitte, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu
soit dans votre maison. Alors, excellent enfant de Dieu, pendant que les uns sont encore en train de partager, ceux qui n'ont pas encore partagé, continuez à partager au maximum. Nous avons dit, c'est notre dernière live de la semaine, alors nous voulons partager, n'est-ce pas, sans modération. On veut partager sur Instagram, on va partager sur WhatsApp, on va partager sur Messenger, on va partager sur WhatsApp, dans des inbox, partager. C'est la raison pour laquelle nous sommes amis dans les réseaux sociaux. Chantal Goma, shalom à toi. Isabelle Kaseka, shalom à toi. Bibiche, ma petite sœur, shalom à toi. Katia, shalom à toi. Victor Yema, shalom, 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 shalom. Alors, excellent enfant de Dieu, nous sommes en train de dire ceci. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de la bénédiction de Dieu. La toute première phrase qui est sortie de la bouche de Dieu, après que Dieu ait créé Adam et Ève, la phrase était « Dieu les bénit » et « Dieu les bénit en disant » Oh my God! Frères et sœurs, la toute première phrase qui est sortie de la bouche de Dieu après avoir créé le premier homme, Adam, après avoir créé la première femme, Ève, la toute première phrase qui est sortie de la bouche de Dieu après la création était la parole de la bénédiction. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1 verset 28 et Dieu les bénit en disant, parce que la bénédiction est attachée avec la parole. On ne peut pas bénir quelqu'un sans la parole. En disant, un, soyez féconds. 2. Multipliez-vous. 3. Remplissez la terre. 4. Assujettissez-la. 5. Dominez. J'ai expliqué cela hier. Mais bien aimé, aujourd'hui l'aspect que je voulais aborder est celui-ci. À la création, quand Dieu avait béni Adam et Ève, Adam, il était déjà capable de procréer. Mais Dieu vient les bénir. Abraham n'avait pas encore péché, mais Dieu l'a béni. Abraham n'était pas pauvre. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. À la création, Adam et Ève, ils étaient parfaits. Parfaits. À la création, ils n'étaient pas pauvres. D'où la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas les richesses. Adam et Ève ne manquaient de rien. Mais Dieu les bénit. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu peux avoir l'argent, mais sans la bénédiction, cet argent-là ne servira à rien. Tu peux avoir des maisons, mais sans la bénédiction, cette maison ne servira à rien. Tu peux avoir des voitures, mais sans la bénédiction, ces voitures-là ne serviront à rien. Tu peux avoir le mariage, mais sans la bénédiction, ce mariage ne servira à rien. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais sans la bénédiction, ces choses-là ne serviront à rien. Sans la bénédiction, ton argent sert à rien. Sans la bénédiction, ton talent sert à rien. Sans la bénédiction, ton intelligence sert à rien. Sans la bénédiction, ta sagesse sert à rien. Ouf! Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Soyez bénis. Pendant que je parle, que la bénédiction de Dieu vous localise. Je dis pendant que je parle, que la bénédiction de Dieu vous localise. Que la bénédiction de Dieu vous localise. Que la bénédiction de Dieu vous localise. Toutes les personnes que Dieu a bénies
dans la Bible, leur destinée avait été assurée. My God. Je vais décoller. J'ai dit ceci. Toutes les personnes que Dieu a bénies dans la Bible, leur destinée a été assurée. En d'autres termes, sans la bénédiction de Dieu, ta destinée ne sera pas assurée. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. J'ai besoin de la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Regardez ce que la bénédiction a fait dans la vie de Joseph. Joseph est entré en Égypte comme esclave. Mais il n'est pas fini comme esclave. Il était entré comme esclave. Mais il a fini sa vie comme gouverneur. Pas de la capitale de l'Égypte, le Caire. Joseph n'est pas fini comme gouverneur de Caire. Mais Joseph est fini comme gouverneur de tout l'Égypte. En d'autres termes, il est fini comme deuxième personnalité en Égypte. Ça, il n'y a que la bénédiction de Dieu qui peut le faire. Il n'y a que la bénédiction de Dieu qui peut le faire. Alléluia. Oh my God. Que la bénédiction de Dieu te localise. Que la bénédiction de Dieu te localise. Il est entré comme domestique. Mais il est sorti comme un patron. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir. Joseph est entré en Égypte comme esclave, comme domestique. Mais il est sorti de là comme patron. Que la bénédiction de Dieu te localise. Que la bénédiction de Jéhovah te localise. Que la bénédiction de Jéhovah localise ta vie. Que la bénédiction de Jéhovah localise ta famille. Que la bénédiction de Jéhovah localise ton couple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shararaban, daraban. Je voulais dire à quelqu'un, peu importe la manière dont tu as commencé l'année, peu importe la manière dont tu as commencé l'année, j'aimerais te dire, je suis envoyé par Dieu pour te dire, tu finiras cette année dans la gloire. 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 Peu importe la manière dont tu as commencé l'année. Ya. Parce que la bénédiction de Dieu te localise. Parce que la bénédiction de Dieu te localise. Parce que la bénédiction de Dieu te localise. Peu importe le manteau qu'on t'a fait porter. Comme la bénédiction de Dieu te localise, toutes les portes vont s'ouvrir. Mama. Jesus. J'ai dit, peu importe la manière dont tu as commencé 2020. Les uns ont commencé 2020 dans la souffrance. D'autres ont commencé 2020 dans les maladies. D'autres ont commencé 2020 dans la pauvreté. D'autres ont commencé 2020 dans des blocages. D'autres ont commencé 2020 dans le célibat. Peu importe la manière dont tu as commencé cette année 2020, j'ai été envoyé par Dieu pour te dire, tu finiras cette année dans la gloire. Alléluia. Tu finiras cette année dans la gloire. Tu finiras cette année dans l'élévation à cause de la bénédiction de Dieu. À cause de la bénédiction de Dieu qui te localise, tu finiras cette année dans la gloire. Tu finiras cette année dans l'élévation. Tu finiras cette année dans la promotion à cause de la bénédiction de Dieu qui te localise. Hey. Zambiwany, je m'adresse à quelqu'un. Tu as commencé cette année comme locataire. Tu
Tu finiras cette année comme bailleur. Tu as commencé cette année comme piéton, sans véhicule, sans voiture. Tu finiras cette année avec une très belle voiture. Tu as commencé cette année comme célibataire. Tu finiras cette année comme étant marié. Tu as commencé cette année comme chômeur. Tu finiras cette année comme patron. Tu as commencé cette année en bas de l'échelle. Tu finiras cette année en haut de l'échelle. Que la bénédiction de Dieu te localise. Que la bénédiction de Dieu te localise. Que la bénédiction de Dieu te localise. My God, 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 my God. J'aimerais voir la réaction, j'aimerais voir la réaction. À qui s'adresse ce message? Tu as commencé cette année comme pauvre, mais tu finiras cette année comme étant riche à cause de la bénédiction qui te localise. À cause de la bénédiction de Dieu qui te localise, tu ne finiras pas 2020 tel que tu l'as commencé. Tu ne finiras pas 2020 tel que tu l'as commencé. Tu as commencé cette année dans l'instabilité. Tu finiras cette année dans la stabilité totale. My God, 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 my God. La première parole, la toute première parole que Dieu a prononcée dans la vie d'Adam et Ève après qu'il les ait créés, c'était la parole de bénédiction. Et Jabez a dit, la Bible déclare, il invoqua le nom d'Israël, il invoqua le nom de Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, si tu me bénis. J'ai aimé cette version qui dit, Jabez pria en disant, si tu me bénis, si tu me mets, si tu mets à moi un pouvoir capable de me protéger et m'amener à ma destinée. Jabez pria en disant, si tu me bénis, si tu mets à moi un pouvoir capable de me protéger et de m'amener à ma destinée. Ambassadrice Cynthia Aurélie, mettez-moi ça par écrit, s'il vous plaît. Jabez pria l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis, si tu mets à moi un pouvoir capable de me protéger et de m'amener à ma destinée. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Que la bénédiction de Dieu vous localise. Que la bénédiction de Jéhovah vous localise. Que la bénédiction de Dieu vous localise. Tu as commencé cette année avec beaucoup d'échecs. Tu finiras cette année avec beaucoup de réussites. Tu as commencé cette année avec beaucoup de défaites. Tu finiras cette année avec beaucoup de victoires. Tu as commencé cette année avec la destruction. Tu finiras cette année avec la construction. Tu as commencé cette année avec beaucoup de malheurs. Tu finiras cette année avec beaucoup de bonheur. Who am I talking to? Who am I talking to, ladies and gentlemen? Hallelujah. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin que la bénédiction de Dieu nous localise. Frères et sœurs, quand je parle de la bénédiction, je voulais dire ceci. La bénédiction de Dieu tombe toujours sur les gens qui ne le méritaient pas. C'est ça la bonne justice de Dieu. Nous les appelons, je ne sais pas si ça se dit, les immérités. Les immérités. Les immérités. Je vous explique. Ce jour-là, Jacob étant devenu vieux, il a perdu la vue. Jacob avait perdu la vue. Jacob était devenu aveugle. Jacob n'avait plus de vue. Jacob est devenu aveugle. Et Joseph va lui apporter ses deux fils qui étaient nés en Égypte, Éphraïm et Manassé. Il prend le nez,
Il le met à la droite de Jacob, parce que le nez avait droit à la double portion de la bénédiction. Il y prend le deuxième, il le met à sa gauche. Mais comme Jacob était déjà devenu aveugle, il le savait. En le bénissant, il a croisé les bras. Il a croisé les bras. Il a fait comme ça. Ah. La bénédiction qui devait partir sur le nez est allée au deuxième fils. Je reprends. La bénédiction qui était supposée venir sur le nez de la famille, le premier de la famille, est allée sur le deuxième. Et la bénédiction qui était supposée venir sur le deuxième est allée sur le premier. C'est ça la bonne justice de Dieu. C'est ça la bonne justice de Dieu. C'est ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie aujourd'hui. Je dis, c'est ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie aujourd'hui. À la croix du calvaire, Dieu était devenu comme aveugle. Là, Jacob représente Dieu le Père. Il était devenu comme aveugle. La bénédiction qui devait tomber sur Jésus, elle est venue sur nous. Et la malédiction qui devait tomber sur nous, elle est tombée sur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. C'est ce que j'appelle la bonne justice de Dieu. Les immérités que nous étions, nous avons obtenu la bénédiction de Dieu. Nous avons obtenu la bénédiction de Dieu. Ah, la bénédiction de ce soir est pour les immérités. J'ai dit la bénédiction de ce soir est pour les immérités. Deuxième exemple, Joseph. Joseph arrive en Égypte. Ladies and gentlemen, cette poste qu'on a donnée à Joseph, on devait en principe, cette poste-là était réservée à un grand économiste. C'était réservé à un licencié en économie. C'est un licencié en économie qui méritait cet endroit. Ça devait être un docteur en économie. Docteur en finance. Licencié en finance. Mais comme Dieu, il fait des choses que l'œil n'a point vues. Il fait des choses que l'oreille n'a point entendues. Il fait des choses qui ne sont jamais descendues dans le cœur de l'homme. Il y prend un immérité, Joseph, qui ne connaît peut-être rien de l'économie, qui ne connaît peut-être rien de finances. Il le place là, celui qui va contrôler le budget du pays, celui qui va contrôler l'économie du pays, celui qui va contrôler tous les finances. Les banquiers de l'Égypte deviennent dépendre de Joseph. Le ministre des finances devait dépendre de Joseph. Le ministre de l'économie devait dépendre de Joseph. Le ministre du budget devait dépendre de Joseph. C'est ça la bénédiction. Que la bénédiction de Dieu vous localise. Que la bénédiction de Dieu vous localise. Que la bénédiction de Dieu vous localise. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu vous localise. Je dis que la bénédiction de Dieu vous localise. Frères et sœurs, Dieu ne regarde pas à ton état pour te bénir. Écrivez-moi ça quelque part. Come on, Julia. Écrivez-moi ça quelque part. J'ai besoin de voir ça quelque part. Écrivez-moi ça quelque part. Dieu ne regarde pas à ton état pour te bénir. Dieu regarde seulement si le sang de Jésus te couvre ou pas. C'est la seule condition. Est-ce que tu es couvert par le sang de Jésus ou pas? Dieu ne regarde pas à ton état. Dieu ne regarde pas à ta condition. Dieu ne regarde pas à ta situation. Non. Dieu regarde si le sang de Jésus te couvre ou pas. Dieu ne regarde pas à ton état. Dieu ne regarde pas à ton état pour te bénir.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mon ami, la bénédiction qui va descendre sur toi, ce n'est pas à ton niveau. Voilà ce que je voulais dire. La bénédiction que Dieu veut descendre dans ta vie n'est pas à ton niveau. Ça va attirer la convoitise de tes voisins. Ça va attirer la convoitise de tes ennemis. Ça va attirer la convoitise de ceux qui sont dans ton environnement immédiat. Ça va attirer la convoitise du diable et des démons et de tous ces gens déchus. Cette bénédiction n'est pas à ton niveau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce poste qu'occupait Joseph n'était pas à son niveau, mais Dieu le lui a donné. Je déclare la bénédiction en extrême. Je libère la bénédiction en extrême dans la vie de quelqu'un. Je libère la bénédiction en extrême. Oh, laissez-moi citer quelqu'un non, ici. Je déclare la bénédiction en extrême dans la vie de Dominique. Je déclare la bénédiction en extrême dans la vie de Tildia. Je déclare la bénédiction en extrême dans la vie de Mika Baruti. Je déclare la bénédiction en extrême dans la vie de Naomi, dans la vie de Ashley, dans la vie de Jérémy, dans la vie de Maman Claire. Je déclare la bénédiction en extrême dans la vie de Mireille, Naomi. Je déclare la bénédiction en extrême dans la vie de Christine. Je déclare la bénédiction en extrême dans la vie de la servante de Dieu, Peggy Sarah. Je déclare la bénédiction en extrême dans la vie de Margaretha. Je déclare la bénédiction en extrême dans la vie de Marie-Noël. Je déclare la bénédiction en extrême dans la vie de Katia. Je déclare la bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de Rosine. Je déclare la bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de Ezita. Je déclare la bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de Gilbert Mendy. Je déclare la bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de Jeanne Gomis. Je déclare la bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de la servante de Dieu, pasteur Véronique Assoumini Kassongo. Je déclare la bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de mon ami pasteur Rimbertrain Émile. Je déclare la bénédiction en abondance dans la vie de prophète Ézéchiel. Je déclare la bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de Samira, la bénédiction de Dieu en extrême. Dans la vie de Isabelle Kaseka, la bénédiction de Dieu en extrême. Dans la vie de Eric, la bénédiction de Dieu en extrême. Dans la vie de Brandine Mouyaya, la bénédiction de Dieu en extrême. Dans la vie d'Aurélie Gwessi, la bénédiction de Dieu en extrême. Dans la vie de Flora, la bénédiction de Dieu en extrême. En extrême dans la vie de Marie-Joseph, la bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de Anna Joseph, la bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de Gaël Kapinga, la bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de Fifi Moufoudé Jemima, la bénédiction en extrême dans la vie de Yolande, la bénédiction en extrême dans la vie de Nifi Lendo, la bénédiction en extrême dans la vie de François Tongo, la bénédiction en extrême Chararaban dans la vie de Claudia, qui d'autre encore je n'ai pas cité, la bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de Carmel Bissot, la bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de Reine Asula. Règne et domine. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. La bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de prophétesse de Bijoux. La bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de Joseph, dans la vie de Wayema, Victor Wayema. La bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de Julia. La bénédiction de Dieu en extrême dans la vie de Mitu Joseph. Qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Cette fois-ci, écrivez-moi seulement les noms des familles. Écrivez-moi famille telle, comme famille Moulumba. La bénédiction de Dieu dans la famille Moulumba. Yes. Chararaband. La bénédiction de Dieu dans la vie de Naomi Tillet. La bénédiction de Dieu dans la vie de Paul Honoré Kalenga. La bénédiction de Dieu dans votre vie. Chararaband. Rimbayata. Dans la vie de Naomi, la bénédiction. Dans la vie d'Emmanuel, la bénédiction. Dans la vie de Nela, la bénédiction. Dans la vie de Jeanne-Marie, la bénédiction. Ah, famille Chisungu, bénédiction à l'extrême.
On relingue aussi. Bénédiction à l'extrême. Dans la vie de Bruno, bénédiction à l'extrême. Famille Yema, bénédiction à l'extrême. Famille Mbungu, bénédiction à l'extrême. Famille Maleka, bénédiction à l'extrême. Famille Benoît, bénédiction à l'extrême. Famille Dubrana, bénédiction à l'extrême. Famille Sibrial, bénédiction à l'extrême. Famille Barouti, bénédiction à l'extrême. Famille Siala Kambu, bénédiction à l'extrême. Famille Ben Mimoun, bénédiction à l'extrême. Famille Emma, bénédiction à l'extrême. Famille Nyengele, bénédiction à l'extrême. Quelle famille encore? Famille Ndimunamba, épouse Mpeng, bénédiction à l'extrême. Bénédiction à l'extrême. Bénédiction, bénédiction, bénédiction à l'extrême. Famille Corio, bénédiction à l'extrême. Famille Mendi, bénédiction à l'extrême. Famille Mabiala, bénédiction à l'extrême. Oh, mes signaux YouTube aussi. Laissez-moi aller sur YouTube. Aïe, 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 aïe. Comment je peux oublier nos bien-aimés de YouTube? Comment je peux oublier nos bien-aimés de YouTube? Laissez-moi aller sur YouTube. Voilà, 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 voilà. Je suis là. Famille, famille Lekou, bénédiction à l'extrême. Famille en coquille. Freddy, famille, bénédiction à l'extrême. Francesca Ada, bénédiction à l'extrême. Je ne vous ai pas oublié. Yvonne, bénédiction à l'extrême. Famille Delo, bénédiction à l'extrême. Famille Mukoka, bénédiction à l'extrême. Famille Eroso, bénédiction à l'extrême. Daniel Afolabi, congratulations, congratulations my son. Pendant ce moment de prière, sa femme vient d'accoucher d'un garçon. Bénédiction à l'extrême. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Famille Guenot, bénédiction à l'extrême. Famille Afolabi, bénédiction à l'extrême. Famille Kassongo, bénédiction à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême. My God, my God. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Joseph est entré en Égypte, premièrement comme étant domestique, mais il est sorti de la patron. Il est entré en Égypte comme prisonnier esclave. Il est sorti de la deuxième personnalité en Égypte. Peu importe la manière dont tu as commencé cette année, tu finiras cette année dans la gloire à cause de la bénédiction à l'extrême. Extrême bénédiction. Ta bénédiction va scandaliser les gens. Écrivez maintenant. Ma bénédiction scandalise mes voisins. Ma bénédiction scandalise mes ennemis. Ma bénédiction scandalise tous ceux qui souhaitent le malheur contre moi. La bénédiction de Dieu va les scandaliser. Avec la bénédiction de Dieu, mon ami, tu deviens invisible au radar des sorciers. Radar. Avec la bénédiction de Dieu, on ne peut pas te capter. Avec la bénédiction de Dieu, tu deviens invisible aux caméras du monde des ténèbres. C'est ce que la bénédiction de Dieu va faire dans votre vie. Si tu me bénis, si tu mets à moi un pouvoir capable de me protéger, et si tu mets à moi un pouvoir capable de m'amener à ma destinée, tu as commencé cette année avec beaucoup de problèmes. Félicitations. Tu finiras cette année avec beaucoup de solutions. À qui s'adresse cette parole? Tu as commencé cette année avec la maladie. Tu finiras cette année restauré. Regardez nous autres là comment Dieu est en train de nous restaurer. Est-ce que vous ne lisez pas la restauration? Si vous ne voyez pas la restauration sur moi, moi-même je vois la restauration sur moi. Bouffé par coronavirus, COVID-19, bouffé, le poumon bouffé. Est-ce que quelqu'un qui a le poumon bouffé, il peut crier de joie comme moi je suis en train de crier là? Nous taona,
Oh, Mungu wa mapendo, Mungu wa baraka, Mungu wa uzima. Chiloboka nye mwibalishi, anyubalishi ba mnyema yeya. Yepoa zambi wa kwa yemena, zambi wa kwa yemena. Jikumbi ja kujibuikila, hallelujah. Zambi ya kumikude ya chijila, kama nampata, yes, hallelujah. Que Dieu vous restaure. Je dis que Dieu vous restaure. Je dis que Dieu vous restaure. Je le répète, que Dieu vous restaure. Et je le confirme, que Dieu vous restaure. La bénédiction est plus que la malédiction. La bénédiction est plus que la bénédiction. La bénédiction est plus que la, malédiction. Quand la bénédiction de Dieu tombe dans la vie d'une personne, elle engloutit la malédiction. De la même manière que le serpent de Moïse engloutit le serpent de Pharaon, c'est de la même manière la bénédiction que Dieu est en train de libérer ce soir va engloutir vos malédictions. Retenez cela. Cette bénédiction, elle va tomber sur les immérités. Anto koyein. Bénédiction à l'extrême. Faceta, bénédiction à l'extrême. Luis Masiku, bénédiction à l'extrême. Bénédiction à l'extrême. Bénédiction à l'extrême. Anna Joseph, je t'ai pas oublié, ma maman. Bénédiction à l'extrême. Gloire, 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 gloire. Alors, frères et sœurs, pour terminer, comme Dieu m'a dit de vous dire, vous ne finirez pas l'année 2020 telle que vous l'avez commencé. Je me donne cet honneur de vous féliciter. Congratulations. Félicitations. Tu es entré dans 2020 comme célibataire. Tu finiras 2020 comme marié. Félicitations. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Let me take this, let me take this, let me take this. Aïe, 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 aïe. J'ai envie d'exploser, mais aïe, aïe, aïe. Bon, je laisse ça. Tu as commencé cette année 2020 dans la souffrance. Tu finiras cette année dans la bénédiction extrême. Congratulations. Félicitations. Longonia, Kalumbandi, congratulations. Tu as commencé cette année avec beaucoup de problèmes. Tu finiras cette année avec beaucoup de solutions. Félicitations. Je dis félicitations. Je le répète encore, félicitations. 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 Béni dans tes entrées, béni dans tes sorties. Béni au départ, béni à l'arrivée. Béni à droite, béni à gauche. Béni devant, béni derrière. Béni en haut, béni en bas. Tu bloques tous les quatre points cardinaux. Hein, bloque de bénédiction. Bloc de bénédiction. Ay, que dirons-nous? Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bénédiction. Bénédiction. Excellent fan de Dieu. Prenez le pain. Shararabande. Yandarabakararabande. Oh, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Car nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu.
Le Seigneur nous a aimés comme le n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Car nous partageons le Père, il nous donne son amour. C'est le Père de l'amitié, le Père de Dieu. Levez le Père. Ce jour-là, ayant levé le Père, il rendit grâce à Dieu et dit, « Ceci est mon corps. » Yahweh, merci Jésus, la parole faite est chère. Merci Jésus, tu as dit, Moïse vous a donné la main dans le désert, vous êtes mort. Mais moi, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Quiconque mangera ce pain, il ne mourra pas et il y aura la vie éternelle. Seigneur, en mangeant ton pain, en mangeant ton corps plutôt, nous participons, Seigneur, à ta mort et à ta résurrection. Ainsi donc, par tes maîtrisures, nous avons été guéris. Tu as transporté les souffrances, tu as transporté les douleurs, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, et dans tes maîtrisures, nous avons été guéris. Merci Seigneur, car aucune maladie n'a le droit d'habiter dans mon corps. Aucune douleur n'a le droit d'habiter dans mon corps. Dans le nom de Jésus, je pense à ta mort. Je pense à ta résurrection. Je pense à ton ascension. Et je pense à la manière dont tu vas revenir pour me chercher. Au nom de Jésus-Christ. Prenons ensemble le corps du Seigneur. Merci Seigneur pour ton corps. Merci également pour ton sang. Et à lever la coupe avec la main droite, il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Nous entrons dans la nouvelle alliance avec Dieu. L'alliance qui est basée sur de nouvelles promesses. Le sang a été versé à la croix du calvaire. C'est le sang de ta rédemption. C'était le prix de notre rachat. Répétez après moi. Père éternel, Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, je crois à la puissance de ton sang. Le sang divin, le sang qui purifie, le sang qui lave de toute essuie, de toute impureté, le sang qui m'a été racheté. Papa, merci. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Je ne crois plus à mes anciens liens, mais je crois maintenant à mes nouveaux liens, mon lien avec le sang de Jésus, mon lien avec le corps de Jésus, mon lien avec la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, prenons ensemble le sang de Jésus. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, nous allons remercier le Seigneur. Remercions Dieu pour ces instants bénis. Là, j'étais seulement dans la partie où Jabez avait dit, si tu me bénis. La semaine prochaine, ça sera encore très explosif. Car nous allons parler de limitation. Il a dit, si tu étends mes limites, on va creuser cela. Si tu étends mes limites. Il y a certaines familles, certaines personnes qui vivent dans certaines limitations. Et par la grâce de Dieu,
On va briser ces limitations. Parce que nous avons dit la bénédiction sans limite. Et je vous réserve une surprise agréable. Un prophète de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Cette période de 120 jours, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous recevons beaucoup de témoignages depuis qu'on a commencé. Beaucoup de témoignages. Mon téléphone n'arrête pas de sonner chaque jour. Des témoignages des choses que Dieu est en train de faire. Des guérisons et des délivrances. Des visites angéliques. Oh, gloire à Dieu. Alors, il y aura un serviteur de Dieu, c'est un prophète. Je respecte ces prophètes-là. Il y aura beaucoup de prophètes qui vont nous parler pendant cette période ici. Beaucoup de prophètes. Alors, ne ratez pas, ne ratez pas. Donc, on va reprendre encore la prière en ligne les mardis. Les mardis à 5h du matin. Les mardis à 5h, nous reprenons. Et puis, à 22h, ça sera le bombardement. Bombardement. Pour les étudiants de l'école du ministère, mes ambassadeurs et les ambassadrices, on se retrouve demain à 10h pour une session d'une heure du temps. Et puis pour tous les membres de l'Assemblée Christ et Pain de Vie, on se retrouve à 11h demain. Remercions le Seigneur qui a été avec nous. Remercions le Seigneur pour ses bontés. Remercions le Seigneur pour sa grâce. Nous tenons encore à nous excuser. Le matin, quand j'ai commencé les lives, vers 18e minute ou 20e minute, il y a eu encore une autre attaque. L'électricité est partie dans tous les buildings. Lorsque j'avais écrit cela, un ami serviteur de Dieu au pays, il m'a écrit directement, il m'a dit, « Bishop, je vois à l'Europe, là-bas aussi, l'électricité. Il y a aussi des coupures d'électricité. Ah, ça m'a fait rire. Il a dit, « Est-ce que chez vous, là-bas en Europe aussi, il y a la coupure d'électricité ?» Ce n'est pas la coupure parce qu'on n'a pas payé. Ça, c'est une attaque. C'est la deuxième fois déjà. C'est une attaque venant de l'ennemi. L'ennemi est vaincu. Vous comprenez? L'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'avons pas léché. Frères et sœurs, un vainqueur, c'est celui qui ne baisse pas les bras. Un vainqueur, c'est celui qui ne baisse pas les bras. Tolembate! On ne va pas baisser les bras. On va foncer. On va foncer. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père éternel, Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie que toutes les bénédictions, selon qu'il est écrit dans ta parole, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu déposes dans la vie de toute personne qui entend le son de ma voix. Ceux qui sont connectés sur Facebook, ceux qui sont connectés sur YouTube et ceux qui vont me suivre en différé. Que leur vie soit bénie. Que leur vie soit bénie. Que leur vie soit prospère à tous égards. Que Dieu vous donne la victoire sur vos ennemis. Que Dieu vous donne la victoire sur vos ennemis. Que Dieu vous donne la victoire sur vos ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Alors, excellent enfant de Dieu, que le Seigneur vous soit favorable et que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, fidèle et saint. Que Dieu te bénisse, ma fille. Gina Doré, que Dieu vous bénisse. Daniel Afolabi, sois béni au nom de Jésus-Christ. Gina Doré, soyez béni. Louise, soyez béni. Et que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Alors, frères et sœurs, je vous demande encore, je suis en train de voir le travail que les uns et les autres sont en train de faire. Et je vous dis sincèrement, merci. Merci du fond de mon cœur pour les abonnés que vous êtes en train de me trouver. Alors, continuez à parler avec vos amis. Vous êtes Sénégalais, parlez avec vos amis Sénégalais. Vous êtes Gabonais, parlez avec des amis Gabonais. Vous êtes Tchadien, vous êtes Canadien, vous êtes, je ne sais pas moi, Camerounais, vous êtes Ivoirien, vous êtes Burkinabé.
Envoyez les notifications. Trouvez-moi des abonnés sur YouTube. Élise Moulumba officiel. Alors, vous qui n'êtes pas encore abonné, allez-y vous abonner. Allez-y vous abonner. Alors, frères et sœurs, si vous avez aimé la session de ce soir, ne soyez pas égoïste. Partagez ces messages. Il y a des gens qui ne partagent pas. Il vient, il clique seulement, il écoute. Il écoute. Ah, c'était bien. C'est bien. Il parle bien. C'est bien. Et vous, vous arrêtez ces mal-là. Oh non. Je sais que c'est bien. Je sais que Dieu est avec nous. Mais, partage aussi. C'est simple. Partage. Frères, excellents enfants de Dieu, je ne comprends pas pourquoi les gens ont la facilité de partager, excusez-moi le terme, des bêtises et des conneries. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Soyez sincères avec moi. Vous n'avez pas encore remarqué que les gens ont la facilité de partager des vidéos inutiles, Mais là où il y a la vie, là où il y a la bénédiction, là où il y a la délivrance, là où il y a le message comme celui-là, vous êtes lourd pour le partager. Non. Je chasse cette lourdeur-là. Partagez. Partagez au maximum. Alors, excellent enfant de Dieu, je vous aime beaucoup, je vous aime énormément. Je vous porte dans mon cœur. Je ne cesse d'adresser à Dieu des prières en votre faveur. Je ne cesse d'adresser des prières à Dieu pour vos familles. Et je prie le vœu de mon cœur que Dieu vous visite. Que Dieu lui-même vous visite. Ce que papa ne pouvait pas faire dans votre vie, que Dieu lui-même le fasse dans votre vie. Alors, soyez bénis. On se retrouve les mardis à 5h du matin. Bye bye. Ladies and gentlemen, ciao. Bye bye. God bless you. Au revoir. Kalenga nu benesha. Mungu anubariki. Zambe apambo labino. Bye.